Salut, moi c'est Lou André, je suis étudiante en Master 2 Contentieux de la Responsabilité et l'Indemnisation à l'Institut des Assurances d'Aix-Marseille et je suis aussi alternante chez Reliance en tant que gestionnaire juriste au service Indemnisation Responsabilité Civile Médicale. Nous, on intervient au moment où le sinistre s'est réalisé et que la victime a formulé une réclamation indemnitaire, que ce soit par voie judiciaire, par voie amiable ou via la commission de conciliation et d'indemnisation. Nous, notre travail, ça va être d'intervenir dans le dossier de A à Z, c'est-à-dire de son ouverture jusqu'à sa clôture. Alors moi, en tant qu'alternante, concrètement, les gestionnaires, ils vont me demander d'intervenir sur des points précis du dossier. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas par tâche déléguée, par exécution. Ils vont vraiment me demander, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'aurais fait? Je vais devoir trouver une solution argumentée. Après, au niveau de mes missions, c'est des missions très variées. Ça me demande d'être polyvalente, notamment parce que c'est jamais les mêmes histoires médicales, c'est pas les mêmes patients, c'est pas les mêmes interlocuteurs, c'est pas les mêmes voies de recours. Mais ce que je peux tirer de tout ça et le point commun de toute cette gestion de dossier-là, c'est l'humain. Je trouve que chez Reliance, ils mettent vraiment un point d'honneur à mettre l'humain au cœur de la gestion de dossier. Et le but, ça va être vraiment de trouver la solution la plus juste pour toutes les parties prenantes. Je suis tombée sur l'annonce un peu par hasard sur Internet et je me suis dit c'est vraiment l'alternance qu'il me faut. Du coup, j'ai envoyé un message à ma maman. Je lui ai dit si j'ai pas cette alternance, j'arrête l'école. Et quelques jours après, j'ai eu mon entretien avec mon manager actuel. C'était un entretien super humain, on m'a pas du tout demandé cite-moi trois qualités, trois défauts. C'était vraiment, il a cherché à comprendre ce que je voulais faire, qui j'étais. Et j'étais encore plus motivée et puis en septembre, j'ai commencé ma mission. Alors quand je pense à mon cadre de travail, il y a trois choses qui ressortent principalement. C'est déjà la dynamique de travail. Moi, je sors de 5 ans d'études de droit. On le sait, c'est des études qui sont un peu solitaires. Et là, je débarque dans une équipe qui est hyper dynamique, qui a envie de partager ses connaissances, qui a envie de me faire monter en puissance. Et je trouve que c'est vraiment une relation donnant-donnant. Ils me font confiance et en même temps, monter en compétences. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que les équipes sont hyper bienveillantes, ça donne envie d'aller aux after-work et de venir au boulot tous les jours en étant hyper sereine. Et en dernier, je pense que ce qui est vraiment important, c'est aussi l'autonomie et la liberté qu'on a. On a des horaires hyper flexibles, des possibilités de faire du télétravail. Et je trouve que chez Reliance, c'est vraiment un gros plus par rapport aux autres alternances. Alors actuellement, j'ai eu une proposition de poste pour rester en septembre. C'est pour moi vraiment un vrai gage de confiance et la concrétisation d'une relation professionnelle que j'ai nouée tout au long de mon alternance. C'est aussi l'achèvement de mes études universitaires et une belle ouverture sur le monde professionnel que j'envisage hyper sereinement.